Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. On sait qu'on reste dans le dur, entre guillemets, niveau classement. Mais voilà, enchaîner, ça fait très très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, ça fait un an. Donc on est content, mais voilà, il faut directement se mettre, remettre la tête à l'endroit et penser au match de vendredi. On a eu du mal à contrer leur losange au début, on avait du mal à défendre. Et en deuxième mi-temps, à la mi-temps, on a corrigé quelques trucs. Et ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans notre bloc et on a pu mieux défendre. Et donc mieux exploiter les failles que l'adversaire nous a laissées. Là, on joue beaucoup plus avec les qualités qui sont les nôtres, c'est-à-dire beaucoup plus de vitesse, de transition. Et petit à petit, de toute façon, quand on sait dans ce championnat, quand on défend bien, généralement, si on réussit à avoir la réussite, ben, on a de grandes chances de gagner les matchs. Et je pense que ce qui nous manquait ces derniers temps, comme je l'ai dit auparavant à la conférence de presse précédente, c'est qu'on a raté 3 matchs cette saison, réellement. Et les autres matchs, ça s'est joué à rien du tout. Donc, là, on commence à être récompensé. Les poteaux, ils se transforment en poteaux rentrants. Donc, il faut continuer à aller chercher ça. Je me sens bien. Le coach y est pour beaucoup. Il faut dire la vérité. C'est un coach que je connais. Il me connaît. Il me laisse la liberté dont j'ai besoin pour m'exprimer. Donc, depuis le début de la saison, déjà, je me sentais bien. Après, j'ai été coupé par une blessure. Malgré, c'est pas qu'une question de statistiques. Je suis content de marquer, c'est sûr. Tout le monde est content de marquer. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne des matchs et qu'on sorte tous ensemble de cette situation qui doit pas être celle de l'Estac. Continuer cette série. On a démarré une série maintenant, deux victoires consécutives. Il faut chercher une troisième à domicile ce vendredi. C'est une chance de pouvoir rejouer à domicile directement vendredi. Donc, on va tout faire pour aller chercher ces 3 points pour continuer à lancer notre saison et se donner un bol d'air. Franchement, on avait trop à cœur de gagner ici un deuxième match consécutif parce qu'on savait que le match c'était très important parce qu'on sort d'une victoire et on savait que Pau aussi il joue le maintien, donc c'était important de gagner aujourd'hui. Franchement, j'ai pas eu ce ressenti parce qu'en haut, on savait que ce match-là, ça allait être compliqué. Donc nous, on a su marquer le premier but et ça a facilité la tâche et on a mis les 2 buts à la deuxième mi-temps aussi. Ouais, c'est une question gagnante. Moi, c'est pas ça le plus important. L'essentiel, quand je suis là, quand je suis titulaire ou pas titulaire, l'essentiel, c'est de me donner un maximum. Et là, j'essaie de aider l'équipe pour qu'on puisse gagner les matchs ou faire match nul. Donc là, je suis content d'avoir marqué et j'espère que ça va continuer comme ça. L'essentiel, c'est que je suis là, j'aide l'équipe à atteindre ses objectifs.